monde. Tant que l'agriculture n'est pas, la transformation de l'agriculture n'est pas réussie, on ne peut pas véritablement transformer structurellement l'économie. Donc, on a besoin de réussir cette transformation. Et si, pour pouvoir réussir cette transformation, comme je l'ai dit, il y a dans ces facteurs macroéconomiques, et puis il y a aussi ces facteurs spécifiques que j'ai mentionnés. Il y a beaucoup d'options qui ont été proposées, à savoir par exemple le développement de technopôles, le développement d'agropôles, le développement de parcs industriels. La lenteur administrative est un frein pour l'évolution de l'agriculture. La balle n'est pas dans un seul camp. C'est vraiment à nous de faire le pas et de faire part de ce que nous réalisons sur le terrain et de nos réalités pour que les politiques soient plus appropriées. Pour relever ces défis au niveau de l'Afrique centrale, je pense qu'il faut déjà porter ces plaidoyers-là au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Il faut porter ces plaidoyers auprès du secteur privé pour qu'ils s'engagent davantage dans le secteur, au niveau de la société civile et surtout au niveau des jeunes, pour qu'ils puissent savoir que l'agriculture aujourd'hui, c'est un métier. C'est un métier qui regorge d'opportunités. Je pense que dans la plupart de nos pays, le cadre est déjà fixé. Au Cameroun, par exemple, il y a la SND30 avec le changement structurel de notre économie, avec en priorité l'import-substitution, la valorisation de la matière première locale. Donc nous pensons que ce plaidoyer-là doit continuer. Ce sont des questions qu'il faut toujours remettre sur la table et de toutes les façons, nous pensons que le cadre pourra être développé pour attirer beaucoup plus d'investisseurs dans notre région, compte tenu de l'attractivité des ressources que nous avons, compte tenu de notre potentiel en termes de terres arables également. Je pense que, comme Son Excellence l'a rappelé tout à l'heure, c'était une occasion vraiment pour moi d'abord en tant que jeune, et deuxièmement, comme responsable de la structure, j'ai venu participer à ces activités. Déjà, il faut dire que le thème vraiment le plus innovateur ici était celui de la digitalisation. Parce qu'il faut le dire, plusieurs jeunes s'engagent dans des études, notamment sur des questions à l'école, sans pourtant envisager cette question de la digitalisation. La raison pour laquelle vous voyez ceux qui embrassent plus cette question sont des jeunes qui sont issus des écoles d'informatique. Et pourtant, c'est une question qui devrait se faire également avec avoir même des spécialités dans le domaine de l'agriculture. Donc, je pense que c'est le thème qui, pour moi, est le plus innovateur lors de ces exercices. Ça, c'est un forum d'échange aussi des expériences. Le Cameroun gagne parce que le Cameroun aussi a mis sur la table quels sont les défis pour s'en sortir et relancer son agriculture, transformer l'agriculture en Afrique. Voilà ce genre de concertation qu'on a besoin au niveau du continent. Ça, c'est une concertation surtout au niveau de l'Afrique centrale. Il y a plusieurs participants qui sont venus de l'Afrique centrale, qui sont ici pour interagir. Donc c'est une plateforme aussi de network entre les États membres de la CIAC. Si j'ai décidé d'intervenir et d'être présent à cet événement aujourd'hui, c'est parce que manifestement je me rends compte que nous, en tant que producteurs, ne sommes pas toujours représentés autour des tables de décision. L'initiative de Africa Agri Forum de e-conférence est une merveilleuse initiative parce qu'elle permet justement d'avoir accès à des décideurs qu'on ne rencontrerait pas tous les jours. Donc pour moi, c'était l'occasion de porter un plaidoyer à l'endroit de ces décideurs-là. D'abord pour la valorisation des initiatives de personnes qui ont déjà fait leur preuve. Je ne demande pas ici de soutenir tout le monde parce qu'il y a tellement d'initiatives dans notre environnement avec l'innovation et l'intelligence des jeunes Africains, mais vraiment de miser sur des solutions qui existent depuis un certain nombre d'années, qui ont des indicateurs de performance concrets et qu'on pourrait pousser. Nous avions décidé de participer au Africa Agri Forum
pour essayer d'avoir davantage des informations qui vont nous servir d'outils en matière de sensibilisation, en matière de digitalisation aussi également, pour mieux communiquer aux producteurs. Ce que nous faisons à Chili de l'Afrique, c'est on aide les ménages à pouvoir produire leurs propres légumes à base des déchets, par exemple, récupérés au sein de l'environnement. Et là, nous pensons que si les ménages en fait, parviennent à produire leurs propres produits et connaissent la qualité d'eau qu'ils utilisent, nous pensons que nous allons réduire en fait, nous allons réduire la faim de façon considérable. Mes déclarations ici, ailleurs, je parle de la femme parce que je sais que la main d'œuvre féminine est très grande dans le secteur agricole. On peut dire 55% de la main d'œuvre est féminine. Pourquoi je mets aussi l'accent sur la jeunesse? Comme vous savez qu'en Afrique, la plupart de nos exploitants, nos exploitants agricoles, sont vieillissants, ils sont âgés de 60 ans. Donc il faut faire le relais. Parce que c'est un secteur qui est dynamique, c'est comme la santé et l'éducation, il ne peut pas s'arrêter. S'il s'arrête, nous aurons des crises alimentaires très graves dans notre continent. Donc c'est un secteur qu'on doit toujours regarder là où il y a des gaps pour remplacer. Donc aujourd'hui, nos paysans sont vieillissants et nous avons besoin de la jeunesse. Et pour que cette jeunesse vienne dans ce secteur, il faut quand même créer un environnement favorable pour que la jeunesse vienne. Parce que l'agriculture, c'est un négoce. Ce n'est pas l'enfant pauvre comme le financier nous appelle, mais c'est un négoce parce qu'avec l'agriculture, c'est produit qui vend, c'est du commerce. Donc, on est en train de tout faire pour rendre l'agriculture plus attractive. Et surtout maintenant avec la digitalisation, l'innovation, l'accès à la technologie. Mais c'est le gouvernement aussi qui doit faire pour créer un environnement favorable pour attirer la jeunesse dans l'agriculture. On a besoin d'enlever l'inégalité de genre dans l'agriculture parce que les hommes, ils ont droit au foncier. Les femmes n'ont pas droit au foncier. Parce que je pense que les subventions doivent être fixées en fonction du calendrier agricole. Parce qu'il est inadmissible que, au moment où on a déjà presque fini des champs, c'est en ce moment qu'on vous donne la subvention. Elle va servir à quoi? Ça fait que on peut dire qu'à la prochaine campagne, vous pouvez utiliser, mais le but était de mettre à profit ce que nous faisions lors de cette campagne-là. S'il y a la volonté politique de nos gouvernants, ils peuvent appuyer ces petits transformateurs-là pour qu'ils deviennent plus grands. L'Afrique centrale fasse un effort pour vraiment doubler sa productivité parce que nous avons vraiment beaucoup d'opportunités ici. On a des terres fertiles, on a des rivières, on a des lacs, on a tout ici. Donc tout ce potentiel-là doit être exploité au profit vraiment de l'économie et des populations de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale ne peut pas être une région qui doit importer des denrées alimentaires. Ici au Cameroun, nous savons, les terres sont très fertiles, il pleut beaucoup, donc vous avez tous ces avantages-là par rapport, par exemple, à certains pays du Sahel, dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, je fais un appel avec ce forum, avec tout ce qu'on a vu comme débat ici, que l'Afrique centrale prenne cette opportunité pour voir comment est-ce qu'ils peuvent relancer leur activité. La balle n'est pas dans un seul camp. C'est vraiment à nous de faire le pas et de faire part de ce que nous réalisons sur le terrain et de nos réalités pour que les politiques soient plus appropriées. J'ai eu certains cadets récemment que si je m'étais lancé dans l'agriculture simplement parce que j'avais entendu dire que la terre ne ment pas, j'aurais peut-être déjà fermé mon entreprise. Donc il faut avoir la volonté de mériter ce qu'on gagne
Il faut le faire parce qu'on le souhaite, parce qu'on a une mission et on ressent qu'on a besoin d'accomplir quelque chose. Pour ceux qui se sont lancés en début 2020 et qui pensaient qu'ils peuvent faire 60% dans l'agriculture en 3 mois, je pense que mars 2020 a été une chute complète pour eux. Il leur a montré avec le Covid que vous pouvez vendre vos poulets et perdre 500 francs sur chaque poulet. Moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai rentré du salon de l'agriculture de Paris. Et ce qui m'a fait tenir, c'est premièrement que j'avais une mission intrinsèque que je savais que je devais réaliser et une mission que j'ai transmise à mon équipe. Donc, on sait qu'on est dans ce domaine, pas pour gagner tout de suite. Certes, tout le monde veut gagner de l'argent, mais il faut vraiment se positionner sur la durée et se dire qu'il va y avoir des challenges parce que l'agriculture, c'est quelque chose de très informel. C'est pas organisé, en fait, suffisamment dans notre environnement. Donc, c'est nous qui sommes là pour déblayer le chemin, pour que les gens comprennent que dans l'agriculture, vous n'allez pas venir vous enrichir en 2 secondes. Il faut qu'on se le dise. Il faut un minimum d'investissement. Donc, ne cherchez pas seulement les investissements où on va vous dire, vous allez faire 200% en 6 mois. Parce que plus le risque est élevé, plus vous gagnez. Et si vous avez décidé de gagner gros, sachez que le risque est élevé, donc peut-être que vous perdrez votre argent du jour au lendemain. Les gens doivent prendre des risques mesurés et s'ils s'engagent à prendre des risques trop importants, qu'ils s'apprêtent à perdre parce que l'échec, c'est le jumeau du succès. Je le constate avec beaucoup de jeunes. Vous travaillez 2 jours, ils veulent déjà l'argent, ils veulent déjà... Voilà, moi, vous m'interviewez aujourd'hui, je ne suis pas encore milliardaire. Vous ce que je veux dire? Peut-être qu'en actif d'entreprise, j'ai des milliards, mais dans mon compte bancaire, là, vous n'allez pas trouver beaucoup d'argent. Et moi, je n'ai pas honte de dire ça. Mais c'est parce que j'ai décidé de m'investir pour une cause durable. Et c'est quand on s'investit sur une cause durable qu'à un moment donné, on commence à récolter sans compter.